bonjour à tous, c'est Wester, et aujourd'hui on est sur CS, ouais, pour vous parler de la CSGO Winter Update. Ils ont enfin rajouté l'arme que je voulais, un revolver, ma gueule. C'était vraiment le truc que je trouve qui manquait, un jeu de tir qui se sente sérieux, si vous voulez. Donc du coup, évidemment, quand ils sortent une nouvelle arme, ils sortent une nouvelle boîte, du coup... Il y a la Revolver Case qui a pour mission principale, je suppose, d'ajouter des skins de revolver. Donc on commence par un fade. Mais évidemment, il n'y aura pas que des revolvers. La M4 a l'air vachement cool. Donc celui-là, le Crimson Wave, je suis pas persuadé. Je trouve ça trop sombre. Le Deagle Corinthien, il est sympa. Il est un peu comme le Gawk Raze. Je sais pas comment il est en français. C'est quoi son nom en français? Mais en vert. Genre babylonien. Enfin... Corinthien pour le coup. Et c'est cool. Celui-là, faut voir. Ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Hein, quoique, Fulrod. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu comme les skins risque de radiation de la caisse nuke. Mais en plus détaillé. C'est pas juste de la peinture un peu crado. Ça on s'en fout. Celui-là, il est cool. Il ressemble un peu au Vulcain peut-être. Bref, cool. Celui-là, il est dégueu. Mais je parie qu'il vaudra cher. Ça va aussi. Franchement, il y a que des... Pour les skins qui servent, il y a vraiment que des beaux skins. Regardez-moi la cale, Point Disarray, elle est vachement belle aussi. A voir si elle va concurrencer niveau beauté la Aquamarine Revenge, j'en ai pas encore eu dans les mains. Mais bon, voilà. Donc du coup... Je vais vous montrer comment c'est le revolver. Nous revoilà contre des bots en expert. Donc l'animation quand on sort le revolver, c'est ça. Et je n'arrive pas à le toucher. Je crois que je l'ai pas touché une seule fois. Donc la portée n'est pas au rendez-vous apparemment. C'est pas un digger. Ou alors je suis... voilà l'animation quand on appuie sur la touche F pour visualiser son arme. Ah si, ça passe. On a deux coups. Le clic droit, il tire un coup direct. Genre il appuie sur le chien et en même temps il tire. Comme un cowboy. Et le clic gauche, quand on reste appuyé dessus. Le chien qui se baisse tout seul. Donc du coup, le barillet, il révolte. Et quand on reste appuyé, évidemment, au bout ça tire. Je pense que il doit y avoir deux portées différentes. Ah c'est ça ouais, le clic droit en fait il tire. Il est bien au corps à corps. Vous voyez les balles, elles partent dans tous les sens. Alors là c'est bien aussi. Alors, ça prend du temps pour engager un coup si vous voulez quoi. Donc c'est à voir, évidemment si vous jouez au jeu genre aujourd'hui. Par contre là... J'ai l'impression que la... Ah zut, j'ai lagué. J'ai l'impression que la précision quand on utilise le tir principal de celui-là, elle est vachement... Bah, elle est précise, c'est pas bien, hein. Oh non, enfoiré. Oui, la précision est précise. Ça mais ouais là... ça tire bien. Bon là normalement il aurait dû me tuer si c'était un vrai joueur, mais c'est un bot. Oh, ils ont mis des petits pulls jacquard au pool. Bon bah c'est à peu près tout. Je vous aurais bien montré une boîte mais j'ai pas de sous pour en acheter. Même si j'ai un 48. Ouais, j'ai un 48, ouais. Bon bref. C'est la petite vidéo, j'espère que vous l'aurez plu. J'espère que comme vous, vous êtes aussi ravi du fait qu'il y ait enfin des revolvers dans CS. Ah oui, avant qu'on me barre, j'ai pas dit un truc très important. Il y a 8 balles dans le barillet et pas 6. Ce qui est pas banal. D'habitude quand on prend un revolver, on prend le classique 6 coups du western. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Donc c'est 8 et 8, donc c'est à peu près...
à peu près une aussi grande capacité que le CZ. Sauf que on n'est pas obligé d'avoir des coups. Oh non! Bon bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Amusez-vous bien, allez tirer les revers comme moi.